Bonjour, je m'appelle Mylène Guermont, j'ai 33 ans. Je suis la plus jeune sculptrice de cette exposition Archisculture qui a lieu ici à la Villa d'Atry. C'est une exposition pour vous. Et c'est aussi pour vous que nous avons réalisé Mini Agouin, qui est le fruit d'une vraie collaboration et d'un travail d'équipe, de la modélisation, la formulation du béton, le travail sur les champs magnétiques, mais aussi la forme. L'idée de cette œuvre, nous sommes ici à la Villa d'Atry, donc une ancienne bâtisse, c'est que de l'eau s'accumule dans les murs jusqu'à ce qu'elle les déforme et à ce que cette fine feuille de béton, à 25 mm de béton ultra haute performance, sans métal, cette fine feuille devienne un vrai voile de béton comme on parle dans l'architecture. Cette œuvre, Mini Agua, donc matérialise la présence de l'eau dans les murs et en plus d'être une prouesse technique, est aussi interactive. C'est une œuvre en béton sensible dans la continuité de Barrel qui était présentée ici il y a 2 ans, qui était une œuvre plus petite, qu'on pouvait entourer, qui était sonore et lumineuse. Celle-ci est uniquement sonore, donc quand vous viendrez l'effleurer, à certains endroits, l'œuvre captera votre champ magnétique et en fonction de votre champ magnétique, elle émettra un son. Et pour la première fois, nous avons une œuvre en béton polysensoriel dont la sensibilité change. Donc vous êtes vraiment invité à venir effleurer la pièce et vous pouvez toucher cette sculpture pour qu'elle réagisse avec vous.